carton cette feuille-là avec les jours de la semaine écrits dans les trois graphies. Vous allez devoir choisir une couleur pour chacun des jours de la semaine et ensuite colorier chaque jour identique de la même couleur. Par exemple, ici, moi j'ai colorié, j'ai choisi bien une couleur différente pour chaque jour de la semaine, mais vous choisissez celle que vous voulez. Pour lundi, par exemple, j'ai choisi du rose, donc ça veut dire que lundi en script et lundi en capital imprimé, je vais devoir également les colorier en rose. Pour l'activité suivante, il va falloir que vous repreniez les feuilles des petits costumes d'Arlequin que vous avez dû colorier. Donc, on enlève le petit trombone. La première feuille, on n'en a pas vraiment besoin. Voici les Arlequins coloriés, ce que ça doit donner. Vous allez donc découper ensuite chaque vignette pour remettre ici, dans l'ordre, les vignettes. Sachant que la première, ce sera notre Arlequin qui avait perdu toutes ses couleurs. Et ensuite, remettez-les dans l'ordre d'apparition de ses couleurs. Troisième activité, vous irez voir une vidéo dans la playlist des grands qui s'appelle « Activité graphisme, les boucles ». Laissez-vous guider. Pour la quatrième activité, on va rejouer avec les syllabes et aujourd'hui, on va jouer au jeu du bol de riz. Donc soit vous faites un petit dessin comme ça, soit, plus facile encore, vous prenez un bol et il n'y a même pas besoin de mettre de riz dedans. On va partir à la chasse à la syllabe et aujourd'hui, c'est la chasse à la syllabe « riz ». Donc à nouveau, on va vous donner des mots et vous devez écouter pour entendre s'il y a la syllabe ri ou non. Si je vous dis le mot ballon, je n'entends pas la syllabe ri, je pose donc mon petit pion à côté du bol. Si je vous dis souris, on entend bien ri, donc je place mon petit pion à l'intérieur du bol. Et je continue comme ça avec de nombreux mots. La dernière petite activité du jour sera avec la comptine numérique. Donc on va s'amuser déjà à la dire une fois jusqu'à ce qu'on sache sans erreur. Après, on va s'amuser à démarrer mais sans démarrer du 1. On va compter à partir du 3. 3, 4, 5, 6. On va démarrer à partir du 8, à partir du 5, etc. On va s'amuser également aujourd'hui à compter à rebours. Ça veut dire à compter à l'envers. On va partir du 5 et on va redescendre. 5, 4, 3, 2. Après, on va partir du 7, du 10, du 12, jusqu'à ce qu'on y arrive. On peut également s'amuser à compter de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, ou alors 1, 3, 5, 7. Bref, aujourd'hui, on s'amuse avec la comptine en comptant de plein de différentes manières. N'oubliez pas notre petit défi des mots. J'ai oublié hier, mais c'est pas pour ça que vous devez oublier. Allez, bisous, à mercredi, à jeudi.